Good morning, allez, Iden et Tusra aujourd'hui, le Nishmat Richaron Ben Fortuné Mazal et Claude Israq Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez, vous citez notre chaîne YouTube du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Shkalim, Perek Hey, Mishnah Vav. Shte Leshachot Hayu Bamikdash. Achat Lishkat Achashaim, Vachat Lishkat Hakelim. Lishkat Chashaim, Ir Echet Notnin Netocha Bechashai. Vaniim Benetovim Mitpanesim Betocha Bechashai. לשכת הכלים, כל מי שהוא מתנדב וכלי, זורקו לתוכה, ואחת ל-30 יום, גזברין פותחין אותה. וכל כלי שמוצאין בו צורך לבדק הבית, מניחין אותו. והשאר נמכרין בדמיהם ונופלים ללשכת בדק הבית. משנה כי קונקלו למניאר דפר, לדון את אפילו בית המקדש, לדון אקסטרה, הפעל איזו ביגעציון, לדירי כל תודפון ותוסה, il y avait à Marseille, il y avait jeté les chachot à Yuba Mikdash. Il y avait deux, je sais pas comment dire, deux cabines, deux urnes. J'imagine que c'était des pièces qui étaient fermées où les gens, comme ce qu'on va voir, les gens ils pouvaient faire rentrer les choses sans les retirer, bien évidemment. Et quoi? Donc il y en avait deux comme ça. Achat lishkat achashaim. L'une, c'était la cabine des gens discrets, des silencieux. Chashai, faire les choses silencieusement. Achat lishkat akelim. Et une, c'était la lishka, la cabine des ustensiles. En fait, c'est que pour les gens qui voulaient faire des dons. Alors, regardez comment ça se passe. Lishkat Rashaim, la Lishkat Rashaim, la cabine des silencieux, des gens discrets. Ir echet notnin letocha bechashai. Les gens qui avaient de la crainte du ciel, qui voulaient faire des dons. Pour les pauvres. Pour les pauvres, c'était plus pour la caisse du Beit HaMikdash. Alors, ils partaient, ils mettaient l'argent bechashai. Ils ne l'étalaient pas devant tout le monde. Et discrètement, ils mettaient de l'argent dans la. Dans cette cabine, et le faisait entrer avec la main fermée. Va'aniim bene tovim, et les pauvres de bonne famille, je ne sais pas ce que ça veut dire les pauvres de bonne famille, ça n'a pas été précisé tellement. Et mitpanesim mitocha bechashai. Ils venaient et ils prenaient de là la parnassa bechashai. J'imagine qu'en réalité, les gens, ils devaient comme ça arriver avec la main fermée et revenir avec la main fermée. Qui a vidé sa main, ou qui a plutôt rempli sa main? C'était quelque chose qui n'était pas. On laissait les gens discrets. Ouais, comme ça, ceux qui veulent donner sans qu'on sache ce qu'ils ont donné, ils ont donné, ils ont fait une mitzvah tzedaka merveilleuse. Ceux qui ont pris sans qu'on sache ce qu'ils ont pris, ils ont pu prendre ça, avoir la honte. Et voilà. D'accord? À part ça, maintenant, il y avait la lishkat akilim, la cabine des ustensiles. Ceux qui voulaient faire des dons d'ustensiles, d'objets. Kol mishehu mitnadev kli, tout celui qui veut faire cadeau au Beit HaMikdash d'un ustensile, quelque chose qu'il a chez lui. Qui dit, allez, je vais le faire cadeau au Beit HaMikdash. Zorko le Tocha. Il va, il le jette dedans. C'est pour ça que je dis, il va y avoir une fenêtre parce qu'on mettait les choses, on ne pouvait plus les récupérer cette fois-ci. Vachat le Shloshim Yom, une fois tous les 30 jours, Gizbarin Potrin Ota. Les Gizbarim, les trésoriers du Beit HaMikdash l'ouvraient. Vechol Klish Motzin Bo Tzorech le Bedek Abayit. Et tout ustensile, tout bien mobilier, enfin toute chose qu'ils trouvaient, qui avait un intérêt quelconque pour le Bedek Abayit, pour l'entretien du Bedek Abayit, de la caisse, de l'entretien de Yerushalayim, en général, que ce soit pour les murs du Beit HaMikdash, même pour la muraille d'Yerushalayim, il y avait une douchette partout, tout était géré par cette caisse-là du Bedek Abayit. Alors Manichinoto, il le met de côté. Quelqu'un, il a amené un clou, on va dire, ah ça peut servir, un jour on va. Mais s'il va apporter quelque chose d'autre qu'on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, alors VHR et le reste, Nimkarin Bedmen, on le vendait à son prix, on faisait une vente, pas aux enchères justement, mais à son prix, on fixait, ça coûte, on l'a évalué à 20 shekels, ça on l'a évalué à 50 shekels. Et les gens qui viennent, ils payent, Venoflin Lelishkat Bedek Habayit, et la valeur tombera pour la caisse du Bedek Habayit. D'accord? Mishnah très simple, et on a fini le Perek. Ramichi, c'est tout pour vous, c'est une réplique de Slachakolto, c'est là.